personnes adhérentes au BCM. Attends, on va venir vers toi. Roger. Ah oui, toi, t'es concerné par plusieurs strophes. Oh non. Il y a derrière. Moi, je suis un peu déçu. Ouais. Non, mais moi, j'ai pas de prime. Non, j'ai pas fait de prime. T'approches un peu, moi. C'est un peu la ronta, c'est ça? Mais vous approchez-vous. Olé! On est arrivé au billard des Moirés. On a garé la caravane dans le pré. Il y avait la police qui contrôlait les papiers. Et nous, on n'a pas trop aimé. Il y avait déjà les gitans de Châtillon, le Pierrot et le JPP en train d'égorger un saucisson et sirotant un petit café. Olé! 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 Quoique je me demande si on boit beaucoup de lait au billard de Moiret. On est arrivé au billard des Moirés. Ils voulaient tous être champions. Le Guy servait sa prunelle dorée pour que tous les autres jouent d'aplomb. Et puis il y avait le président. Il faisait le tour de tous les tipis. Un manouche élu par tout le clan. Pour son sourire, on avait dit oui. Pour lequel Jérôme tout m'a abandonné. Mais Jérôme, il n'abandonne jamais ses copains. Ah non. Ou nos cavalières qui sont le gîte de la nuit, à l'avant-tour, chevauchant ses coubis. Son nom, il le signe à la pointe du procédé d'un J qui veut dire Jé-Jé. On avait notre ecclésiastique, notre padré, notre gourou, René Nuffat, René Lastic, l'avait volé à Jésus sa boîte de clous. Il y avait ce furet de coquelle qui tournait autour des roulottes chez une petite romanichelle qui finira sans sa culotte. Allez. Thomas, il est un peu comme Michel-Ange. Quand il lazoure sa barrière, rien ne le dérange. Thomas, il fait même ses mélanges avec du jet et du whisky orange. Ah oui. El Picador,
est arrivé. Patrick donnera le coup de grâce. Ce sera un rétro amassé, mais ce sera joué avec classe. Ah merde, le tapis, merde, Patrick. On est arrivé au billard des amis. Est-ce que c'était la bonne adresse? On a demandé à Thierry qui a stické sa Mercedes. Une vraie bagnole de manouche, ça, la Mercedes. L'a payé comment? En faisant des paniers. Gilou avait la mine radieuse. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il était là. Il faisait tourner une lessiveuse. Alors, une lessiveuse chez Gilou, c'est connecté. Hein. Ouais, c'est Mika, Douska, machin. Il y a des programmes avec l'eau du Gange, tout ça. Bah, enfin. Gilou avait la mine radieuse. Ça faisait longtemps qu'il était là. Il faisait tourner une lessiveuse en train de faire bouillir un chat. En parlant de chat, il y en avait un, il y avait Alain. Toujours avec la queue en l'air. Il jouait toujours dans les coins pour traîner le crabe dans la misère. Yvon tournait autour du billard. On lui avait fixé des patins. Le sol était polymiroir. Pas besoin d'Ajax ni de Carolin. Lulu lisait dans les tarots. À la boutonnière, une rose. Mimile façonnait ses gâteaux. Une religieuse prenait la pose. Sacré Mimile, hein. Lambert est frais comme un gardon. Sur l'eau de l'étang, rien ne bouge. Depuis qu'il taquine le bouchon, il ne prend que des poissons rouges. Bravo, bravo. Ah ouais. On n'aura pas froid cet hiver. À Moiré, près du chaudron, Chouchou brodera des laines polaires sur des tissus tombés de camion. Jean-Mi était rentré de mission. Oui, ah oui. Faut dire qu'il avait eu du bol. Pareil qu'il y avait quelques avions qui avaient fini en carambole. Ah oui. Olé, olé. Le dôme se mélangeait les pinceaux. Vu que c'était l'artiste des gadgets, il avait une tonne de boulot. Ça lui était jamais arrivé.
On est reparti du billard de Moiré. Vous êtes passé au Morgon. Il y avait toujours le Pierrot et le JPP. Et les billes tournaient plus rond. Qu'à faire une chanson. Bravo, bravo. Juste un grand bravo.